Eh ben, on va commencer. Alors, vous allez peut-être vous demander pourquoi j'ai mis cette photo-là. Moi aussi, j'aime bien le film, donc voilà. Mais non, parce que je trouvais que ça représentait assez bien, tout le long du film, en fait, le parcours de l'entrepreneur qui doit lever des fonds. Va falloir prendre pas mal de coups. On est entouré de gens, alors d'équipes, de gens avec qui on travaille, mais aussi de gens avec qui on va travailler, et notamment des investisseurs à terme, des gens qui sont plus ou moins de qualité, mais il faut toujours composer avec l'équipe qu'on a et s'en sortir le mieux possible. Et on y reviendra tout à l'heure. Donc le sommaire principal que je vous propose, donc, c'est de traiter globalement les grands principes. Donc la levée de fonds, c'est pour qui, c'est pourquoi, quand est-ce qu'il faut la faire, auprès de qui, combien faut lever, enfin voilà, les grands principes sur la levée de fonds. Et puis après, de rentrer un peu plus en pratique sur quels sont les acteurs de cet écosystème qui vont pouvoir vous aider. On va faire un petit spot sur l'art du pitch, parce que dans la levée de fonds, un des gros sujets, c'est le pitch. Alors c'est pas tant le pitch en tant que tel qui est intéressant que qu'est-ce qu'on doit mettre dedans, qu'est-ce qu'on doit maîtriser sur son sujet, quels sont les grands thèmes qu'on doit pouvoir traiter devant des investisseurs et qu'est-ce qu'ils attendent par rapport à ce pitch. Et puis quelques conseils variés.